Bonjour, c'est le quatrième match de notre grand tournoi du Club des Ingénieux en cinquième année. Les belles équipes en forme aujourd'hui, Notre-Dame de Lourdes, de la Corne avec Brittany. Bonjour Brittany. Bonjour. Bonjour Adélie. Bonjour. Bonjour Léane. Bonjour. Et bonjour Justin. Yo. Ça va bien? Oui. OK, on t'a demandé de ne pas respirer, hein, tu sais. Tu m'en souviens? OK, c'est bon. Et c'est parce que t'es le seul gars là, fait que ça va pas bien aller pour toi, pauvre tir. Bon, vous allez jouer avec l'équipe du pavillon Roquemort à Roquemort avec William. Bonjour. Ah, non, il y a William en dessous. Bonjour William. Bonjour. Bonjour Béatrice. Allô. Bonjour Émilie. Bonjour. Et bonjour Chloé. Bonjour. Bon, vous êtes deux gars, c'est pas trop pire. Vous pouvez respirer, mais c'est Brittany qui choisit la première. Parmi les sciences finissant en logique, métier, botanique, littérature, comparaison, expression, vie animale ou que suis-je? Métier. Métier, anagramme, prenez votre papier, votre crayon. Dans la main qui tient la manette, vous l'appuyez, c'est-à-dire la main qui tient la manette, vous l'appuyez sur votre papier. Et vous écrivez les lettres que voici pour faire des métiers et professions. D, C, E accent aigu, E, M, I, N. Béatrice. Médecin. Médecin, c'est bon. Deuxième. R, B, I, M, E, B, O. Pour B, Brittany. Pompier. Pompier, c'est bon. Prochain. S, O, R, E, U, P, R, S, E, F. Brittany. Professeur? Oui. Et le dernier. T, E, R, N, E, P, I. C'est trop long? 20 minutes. William, tu choisis entre sciences finissant en logis, botanique, littérature, vie animale, comparaison, expression ou que suis-je? Que suis-je? C'est ça? Alors, c'est une identification avec des indices, points décroissants. Pour 40 points, tout le monde joue. Il existe plus de 465 espèces de ce poisson. Quel poisson? Asseyez-vous. Justin. Poisson clown? Non. Réplique. C'est un essai. William. Poisson rouge? Non plus. Pour 30 points. Je vis dans les mers et océans et certaines variétés de mon espèce peuvent atteindre jusqu'à 8 mètres. Chloé. Le thon. Le thon, non. Réplique. Pour Léane. Une baleine. Non plus. On me nomme aussi squale. Pour Béatrice. Le brochet. Non, c'est pas le brochet. Et pour 10 points, je suis la vedette du film Jaws. Adélie? Requin. Oui, le requin. Le film Jaws, en français, c'était Les Dents de la Mer. Le requin, donc bon pour 10 points. C'est beau. On est rendu à Brittany pour choisir entre vie animale, comparaison, expression, littérature, science finissant en logis ou botanique. Vie animale. Vie animale, c'est un vis-à-vis. Donc, Brittany, tu affrontes William. Première question pour vous deux seulement. Quel est le sens le plus perfectionné chez les oiseaux? Brittany? La vue. La vue, c'est bon. Pour Adélie et Béatrice, quel oiseau est plus rapide qu'un cheval, peut rugir comme un lion, mais ne sait pas voler? Béatrice? L'autruche. Oui, c'est bon. Léane et Émilie, quel adjectif, commençant par la lettre A, désigne un animal qui vit dans l'eau? C'est trop long. Aquatique. Et pour Justin et Chloé, quel insecte, aussi appelé fourmi blanche,
s'attaque aux habitations et creuse des galeries dans le bois des fondations, entre autres. Le termite, c'est masculin. Termite. Fourmi blanche. William, est-ce qu'on parle de comparaison d'expression, littérature, science finissant, logique ou botanique? Botanique. Botanique, c'est le chassé-croisé. Alors, Brittany et Chloé, vous vous affrontez pour la première question. Nommez une des principales bestioles qui servent à la pollinisation, c'est-à-dire au transport des grains. Pour Brittany? Les abeilles. Les abeilles, c'est bon. Il y a aussi la guêpe et les papillons, par exemple. Deuxième, un choix de réponse pour Adélie et Émilie. Les nervures d'un arbre sont situées sur les feuilles, sur les branches ou dans le tronc? Adélie? Sur les feuilles. Sur les feuilles, c'est bon. Léane et Béatrice. Quelle espèce d'arbre fruitier est la plus cultivée dans le monde? Léane? Un pommier. Exact, le pommier. Et pour Justin et William, quelle variété de tubercule ou plante racine d'un potager est la plus connue? Alors, la plante racine ou tubercule la plus connue, c'est la patate, la pomme de terre. Brittany, tu choisis entre science finissant par logis, littérature ou comparaison d'expression? Littérature. Collective, tout le monde prend sa manette, on joue. Dans les voyages de Gulliver, dans quel pays rencontre-t-il une population dont les habitants n'ont que 15 cm de haut? La place, le pays, c'est Lilliput. Deuxième, quel trait physique caractérise Cyrano de Bergerac? Okay. C'est son long nez ou son gros nez. Trois. Quel animal est apprivoisé par le petit prince de Saint-Exupéry? Chloé? Un renard. Un renard, c'est bon. Et quatre. Quel est le prénom de la lady que l'on associe à Robin des Bois? C'est Lady Marianne. William? Comparaison, expression, ou science se terminant par logis? Science se terminant par logis. Allons-y avec une série collective, tout le monde joue. Comment appelle-t-on la science qui étudie les ancêtres d'une famille? C'est la généalogie. Un arbre généalogique, ça vient de là. Comment appelle-t-on la science qui étudie les animaux? Pour Béatrice? L'animologie? Non, réplique. Adélie? La mythologie? Non, la zoologie. Un zoo, comme à Granby par exemple, zoologie des animaux. Comment appelle-t-on la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et leur interaction entre eux? C'est l'écologie. Comment appelle-t-on la science qui étudie les phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou le vent? Pour Léane? Météorologie. Oui, exactement, météorologie, c'est bon. Il nous reste une catégorie, ça s'appelle comparaison et expression. Et là aussi, ce sont des collectifs, alors tout le monde joue. Alors, quand on est envoué, on dit on a un quelque chose dans la gorge, un quoi? Oh, oh, oh! Arbre de Noël! Et c'est Chloé qui répond. Chat. Oui! Hé hé! Hey. Deuxième. Dans la bande dessinée Donald le canard, l'oncle Picsou est un grippe-sou. Que signifie grippe-sou? C'est un grippe-sou. C'est un avare. Ou radin, ou encore nous on dit un séraphin, il ramasse ses scènes. Trois. Que signifie l'expression ouvrir ses oreilles? Léane? Bien écouter. Exact. Et quand quelque chose se vend rapidement, on utilise l'expression
se vendre comme des... Émilie? Des petits pains chauds. Des petits pains chauds. Est-ce que tu aimes ça, les petits pains chauds? Non? Oui. Oui, ok. Théo, alors le premier bloc se termine. On va compter tout ça, ces points-là. Et pendant ce temps-là, on va commencer à choisir les catégories pour le deuxième bloc. Alors, on y va avec ça, et c'est William qui commence à choisir entre musique, histoire, animaux et cris, sport, mythologie, français ou santé et sécurité. Animaux et cris. OK, alors on commence avec une association, on va vous distribuer une feuille, chaque équipe, et dans sur cette feuille, il y a des animaux qui sont... il y a des animaux. Et il y a aussi les cris, qu'est-ce qu'ils font comme bruit. Et vous devez associer tout ça. Alors, quand vous recevez votre feuille, première chose que vous faites, vous écrivez bien sûr votre nom d'équipe et votre nom de l'école, de ville. Et on y va. On tourne la feuille dans le milieu de la table et c'est parti. Alors, ce qu'on a comme bébite là-dessus, on a une baleine, une oie et un dindon. Et là, on doit trouver avec quel bruit on doit les associer. Quel bruit ces animaux-là. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi prévention jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord et Desjardins. Alors, que fait la baleine? D'après vous? Elle chante. Elle chante, c'est bon. Que fait l'oie? Elle crie, elle canarde. Oui, c'est ça. Criaille, canard, cacarde ou siffle. Ça, c'était les mots qu'on avait écrits. Et le dindon était à trouver. Qu'est-ce qu'il fait? Il glousse. Glousse ou glougloute. Glousser, c'est bon aussi. Fait que, on va vous donner vos points, on verra ça tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé avec le résultat. En attendant, Brittany, tu choisis entre musique, histoire, sport, français, mythologie ou santé et sécurité. Musique. Musique. Est-ce que j'ai dit ça, moi? Alors, c'est le rachat. Première question pour Brittany, 20 points pour une bonne réponse et 10 points pour le rachat dans l'équipe. Brittany, quelle figure de note indique le son le plus long? Une ronde? Oui, c'est bon pour 20 points. Adélie, en musique, quel instrument avant est un pipeau? Je sais pas. OK. Rachat pour Nathalie? Une flûte? Oui, c'est une petite flûte. Léane, quel instrument à cordes pincées comporte généralement 47 cordes? Piano? Non. Pour Justin, pas Justin, mais pour l'achat, c'est-à-dire dans l'équipe. Oui, Brittany? Une harpe. Une harpe, c'est bon. Et pour Justin, dans la famille des cuivres, quel instrument est le plus volumineux et produit les sons les plus graves? Un tuba. Exactement, pour 20 points. On va voir maintenant Fabien Roquemort. William, comment représente-t-on une note sur une portée musicale? Si tu veux écrire une note sur une portée musicale, tu fais quoi? Ça a l'air de quoi? Je sais pas. OK, rachat dans le guip pour Béatrice. Un rond. On peut faire un rond, oui, c'est ça. On peut faire une figure, un signe, ça peut être une tâche. Quelque chose comme ça. C'est bon. C'est bon pour 10 points. Béatrice, la caisse de résonance d'un banjo a quelle forme géométrique? Cercle.
Cercle, oui, c'est bon. Circulaire ou ronde, c'est correct. Émilie, ça c'est bon pour 20 points. Émilie, le clavier d'un piano compte combien de touches blanches? 24. Non. Racha? Pour Chloé? 42. 52. Ah, ton piano est trop court, il ne rentre pas dans ta main. OK. Non, c'est 52. Et pour Chloé, à quel instrument ressemble un marimba? Un tambour? Non. Racha dans l'équipe? Ça ressemble à un xylophone ou à un vibraphone. Un marimba, c'est un instrument avec des palettes sur lesquelles on frappe. Et là, on est rendu à William, qui choisit entre histoire, sport, mythologie, français ou santé et sécurité. Santé et sécurité. C'est collectif, tout le monde joue. Jaune. Non, c'était pas toi. C'était quelqu'un d'autre. Ah, mais on m'a dit que vous avez fait des points tout à l'heure pour l'association. 20 points pour la corne, 30 points pour le pavillon de Roquemort. On y va avec santé et sécurité. Trouve l'intrus parmi ces aliments. Oh, que c'est pas facile. Courgette, citrouille, courge poivrée, courge musquée. Léane. Courge poivrée. Non. Racha. Pour Chloé. Courge musquée. Non plus. C'est la courgette. Et en fait, ils sont dans la même famille, mais la courgette, c'est une courge d'été. Les autres, c'est des courges d'automne. La courgette, on peut la manger plus tôt dans la saison. D'automne ou d'hiver. Deux. Trouve l'intrus parmi ces variétés de poire. Bosque, Bartlett, Barrette, Anjou. Chloé. Barrette. Exact. Ça n'existe pas comme... poire, mettons. 3. Lequel de ces aliments ne fait pas partie du groupe des produits céréaliers? Est-ce que c'est pain fait de blé entier, pois chiche, couscous, pain pita? Pour Adélie? Couscous. Non, réplique. Pour Chloé? Pois chiche. Pois chiche, exactement. Et trouve l'intrus parmi ces ustensiles pour couper les aliments. Râpe, planche, couteau, cuillère à thé. Pour Chloé? Planche. Non, réplique. Pour Justin? Cuillère à thé. Ouais, la planche, elle va aller en dessous de la carotte, par exemple, que tu veux couper. Bon, c'est bon, c'était la cuillère à thé qui ne sert à rien pour couper, effectivement. Brittany, est-ce qu'on parle de mythologie, de français, d'histoire ou de sport? Français. Français, OK. C'est le chassé-croisé. Alors, Brittany et Chloé, première question pour vous deux seulement. Donne et épelle le féminin du mot terrien. Chloé. Terrien. Oui, c'est ça, Chloé. Terrien. Épelle. T-E-R-R-I-E-N-N-E. Oui, c'est bon. Pour Adélie et Émilie, donne et épelle le masculin du mot vieillotte. Réponse? Non? Trop tard. Vieillot. V-I-E-I-L-L-O-T. Léane et Béatrice. Donne et épelle le féminin du mot gendre. C'est plus difficile parce que ça ne ressemble même pas à ça. Le féminin du mot gendre, c'est bru. B-R-U. Et pour Justin et William, donnez appel le masculin du mot impératrice. William? Impérateur. Non, réplique. Justin? L'idée était bonne, mais c'est empereur. Empereur. Justin, pas Justin, mais William, mythologie, histoire ou sport? Sport. Sport. Comment se nomme, parce que ce sont des collectifs, tout le monde joue, comment se nomme le sport qui se pratique avec une épée? Pour Chloé. L'escrime. C'est bon.
Quel mot désigne le transport d'une embarcation entre deux parties d'un cours d'eau lorsqu'il y a des obstacles à éviter? Chloé? Kayak des rapides? Non. Dick? C'est un portage. En athlétisme, dans les épreuves de lancer, quel objet peut atteindre les plus grandes distances? William? Un javelot? Oui, le javelot, effectivement. Et quatre, dans quel sport se sert-on d'un putter pour faire droit après avoir utilisé un bois et un fer? Adélie? Au golf. Oui, le golf, c'est bon. Brigitte, est-ce qu'on va parler d'histoire ou de mythologie? Mythologie. Allons-y avec un vis-à-vis. Brittany et William, pour vous deux, la première question. En mythologie grecque, quel est le dieu du ciel et le maître de tous les dieux? Réponse. Zeus. Adélie, Béatrice. Quel demi-dieu représente la force? Pas tout à fait un dieu. C'est Hercule. Léane et Émilie, quel animal de la mythologie grecque est décrit par Homère comme une créature à tête de lion, corps de chèvre, queue de serpent ou de dragon et crachant le feu? Quelle belle bébé. C'est la chimère. Et pour Justin et Chloé, dans la mythologie grecque, la divinité marine Triton était le fils de quel dieu? Pour Chloé? Poséidon. Poséidon, c'est bon. Fait qu'il nous reste une catégorie. On parle de caverne, pas de caverne, mais d'histoire. Quel titre, tout le monde joue sur ses collectifs, quel titre portait le roi dans l'Égypte ancienne? Chloé. Pharaon. Pharaon, c'est bon. Deux. Quel était le prénom de César, l'empereur romain? Pour la Britannique? Jules. Oui. Quatrième. Lors des fêtes, autour de quoi les Amérindiens dansaient-ils? Pour Justin. Le feu. Oui, ils dansaient autour du feu. Et quatrième, quelles furent les premières habitations des hommes préhistoriques? Pour Chloé? Les cavernes. Oui, les cavernes ou les grottes. C'est là-dedans qu'on a trouvé toutes sortes de belles choses, comme des peintures, des dessins qui représentaient le feu. OK. Alors là, on a fini le deuxième bloc et je vais rappeler à nos spectateurs, téléspectateurs, qu'avant qu'on entre en onde, on a posé la question des jardins qui portent sur l'économie, la consommation et tout, tout. Et les joueurs ont répondu par écrit, on a corrigé tout ça. Pourquoi est-il nécessaire de mettre de l'argent dans un compte? Ça avait trois choix. A, parce qu'il n'y a plus de place dans le porte-monnaie. B, pour mettre l'argent en un lieu sûr. Et C, parce que le banquier me l'a demandé. Et la réponse était B, pour le mettre en lieu sûr. Et les deux équipes ont eu toutes les bonnes réponses, bien sûr. Toutes les deux équipes ont eu les bonnes réponses. 40 points de chaque côté. Félicitations. Alors, on va vous applaudir bien fort pendant que le calcul se fait. Félicitations, vous avez joué. Et le pointage final maintenant, c'est un match serré, paraît-il. Alors, 230 pour Roquemort, 250 pour Notre-Dame-de-Lourdes-de-la-Corde. Félicitations. Bravo. Merci.